Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de votre aimable fidélité au rendez-vous du magazine agricole Brave Paysan. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture hors sol. Comme vous le constatez, c'est une culture qui n'est pas directement liée à la terre. Restez en notre compagnie pour en savoir davantage. L'hydroponie est une technique culturale hors sol que la FAO a bien voulu financer pour les épouses de militaires regroupés en association. La culture hors sol est faite dans un milieu racinaire qui n'est pas le sol naturel, mais un milieu reconstitué et isolé du sol. Ce milieu de culture est irrigué de façon régulière par des solutions nutritives adéquates à la plante cultivée. L'irrigation se fait grâce à un système de pompe. Elle peut se pratiquer partout avec des installations que nécessite cette technique culturelle. D'abord, les pépinières sont effectuées avec des grains dans des pots et emmenées ensuite dans des sachets et des caisses dimensionnelles selon le type de culture et la taille des racines. Plusieurs avantages découlent de ce projet. Pour faire l'hydroponie, il nous faut un hangar. Nous avons besoin, le module qu'on nous avait donné, c'était 36 mètres carrés. Pour les 36 mètres carrés, il nous faut 50 chevrons. 6-4. Il nous faut des planches, il nous faut des machins, rouleaux de moustiquaire et la bâche blanche. Il nous faut aussi la tuyauterie. La tuyauterie, nous, notre engrais, c'est quoi? Ce sont les fibres de coco. Ce sont les fibres de coco que vous voyez. Dans ces fibres de coco, on n'a pas de mélange de sable. C'est ça qui remplace notre terre. C'est ça qui rend la chose encore plus fiable, pas de maladies. Avant de faire le réplica de ces fibres de coco, vous avez des fibres derrière vous. Nous traitons d'abord les fibres de coco avant de les mettre dans les bacs. Une semaine après, on fait le repiquage. Mais le repiquage se passe comment? Nous avons les grains. On fait d'abord des pépinières. Pour la laitue, la pépinière dure 2 semaines. Après 2 semaines, nous faisons le repiquage maintenant dans les bouteilles. Pour avoir de bonnes laitues prêtes à consommer, il nous faut 3 semaines. C'est-à-dire pour la laitue au plus, nous avons 5 semaines. C'est l'un des avantages de l'hydroponie par rapport au sol. Au sol, on peut mettre 6 semaines, 7 semaines en terre pour que ça puisse pousser. Vous voyez ces bacs, les dimensions sont de 2 mètres sur 60 cm. Il nous faut des planches largeur 30. Avec 5 planches de largeur 30, nous avons 2 bacs. Pour la confection du bac, nous mettons d'abord un plastique noir au sol pour ne pas que le bac pourrisse. Ça, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, nous avons des boîtes de choses, des boîtes de récupération. Comme vous voyez, on prend la boîte et on fait un piercing. Après ce piercing, nous mettons du fibre de coco dans ces boîtes et ces boîtes sont reliées. En hydroponie, rien ne se perd. On récupère toujours. Vous pouvez le constater. Nous avons enterré un fût dans le sol dont la circulation est faite et nous récupérons la solution dans ce fût. Après, nous remettons la solution dans le fût qui est en haut jusqu'à la plante absorbe toute la solution que nous avons fabriquée pour pouvoir nourrir la plante. Et ces solutions sont composées de sels minéraux. Il y a plein de produits, des engrais, on a du NP4. Tout ce que nos parents prennent dans les champs, c'est ce qu'on prend. Nous, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. La seule différence, c'est quoi? Notre culture ne touche pas le sol. Avec ce produit toxique que nous avons connu, donc les Blancs ont pensé à nous faire ces gens pour pouvoir limiter les maladies. Nous voyons les installations. Je pense qu'il y a des dépenses. Mais une fois qu'on fait l'installation, qu'on a un marché pour commercialiser, on ne s'en rend même pas compte du coût de l'installation. Tous ceux qui ont goûté cette laitue-là, souvent quand on produit même, ça n'arrive même pas.
Donc nous voulons des grands sites pour pouvoir faire. Le goût n'a rien à voir avec ce que nous voyons sur le marché. Donc j'ai été à informer la population, il ne faut pas qu'ils aient peur de l'hydroponie. C'est un bon projet. Chaque Ivoirien peut faire l'hydroponie chez lui à la maison, au balcon, dans son jardin. Bon, tu vois, c'est un projet qui est intéressant. Donc vraiment, j'invite la population, j'invite tout le monde à s'impliquer davantage dans ce projet pour qu'il aille de l'avant. Vous pouvez constater notre laitue, il n'y a même pas de taches dessus. Donc n'ayez pas de crainte. Et le goût, une fois vous mangez la laitue hydroponique, vous avez envie de manger la laitue à chaque fois, à chaque fois. Donc n'ayez pas de crainte. Venez, nous sommes ouverts à la population. Venez, quelles que soient vos commandes, nous pouvons satisfaire la population. La semaine passée même, j'ai reçu la visite d'une dame venant du Sénégal. Parce qu'elle a entendu parler des épouses des militaires. Donc elle est venue nous voir et nous encourager au Sénégal. Elle a pris les ronds-points pour faire sa culture en sol. Et ça marche très bien. Pour les gens qui connaissent le Sénégal, peuvent en dire plus. Nous, ce sont ces avantages que nous voulons. Que la mairie nous regarde si on peut occuper soit les ronds-points, les espaces verts. Ça peut servir aussi de projet de réinsertion pour les jeunes. En Côte d'Ivoire, nous n'avons plus de forêts classées. On n'a plus de terres. On n'a plus de terres. Donc pour éviter tout ça, pourquoi ne pas faire l'hydroponie? Sur ma terrasse, dans mon jardin, ou partout où je veux. Je ne peux pas aller en forêt pour faire l'hydroponie. L'hydroponie même n'est pas bien en forêt. C'est bien en ville. L'hydroponie est bien en ville parce que c'est une culture qui est propre et saine. Cette technique culturelle a eu un écho favorable au niveau de la jeunesse avec des projets pilotes que la FAO a initiés pour elle. Comme à la Riviera Faya, où l'équipe du magazine agricole Branche Paysan s'est rendue après la visite aux épouses de militaires, ces jeunes regroupés en association ont décidé de ne pas croiser les bras à attendre indéfiniment un premier emploi, mais à s'investir dans l'hydroponie pour avoir des revenus conséquents. Je m'appelle Touré Nancy. Nous sommes un groupe de jeunes sans emploi et qui avons décidé de nous lancer dans l'hydroponie qui est une nouvelle technique culturelle. Je me suis lancée dans cette culture parce que depuis longtemps je voulais pratiquer l'agriculture. Et le problème qui s'est posé, c'est que, étant Abidjan ici, on a un problème d'accès à la terre. Donc, j'ai décidé de faire l'hydroponie. L'hydroponie résout le problème de terre. L'hydroponie me permet de faire la culture, de réaliser mon rêve, qui est de faire la culture. Et aujourd'hui, avec l'hydroponie, j'arrive à faire la laitue que vous voyez, à planter du piment et des tomates aussi. Avec cette nouvelle technique que vous voyez, l'hydroponie, aujourd'hui, on n'a plus besoin de fournir assez de fort pour cultiver. Labourer le champ, désherbage, tout ça, on ne le fait plus avec l'hydroponie. Et puis aussi, l'avantage que nous avons avec cette nouvelle technique, c'est que nous faisons assez d'économies d'eau, puisque le réservoir que vous voyez derrière moi, prend 1000 litres d'eau. Et avec les 1000 litres d'eau, lorsque on arrose nos plantes, l'eau est réutilisée. Ça, c'est un des avantages. Et puis l'autre avantage, c'est que avec cette culture que vous voyez, on n'a plus besoin de tenir compte du climat. Et avec les cultures de contre-saison, tout ça, l'hydroponie résout à tous ces problèmes-là. On peut cultiver assez de légumes, avoir un rendement assez élevé avec cette technique-là. Ici, nous cultivons la laitue dans les bouteilles parce que ce sont des plantes qui sont pas trop lourdes. Elles n'ont pas assez de racines. Donc on les plante dans les bouteilles. C'est la laitue, mais communément les gens les appellent la salade. Mais la salade, en fait, c'est lorsqu'on le mélange avec la tomate, les ingrédients qu'il faut. Sinon, en vrai terme, on appelle ça la laitue. Ici, on a planté du piment. On a décidé de mettre le piment dans les caisses. Comme vous voyez, la caisse est plus grande. Donc ici, on a mis le piment ici à cause des racines. Parce que quand le piment pousse, le piment met 3 à 4 mois avant la récolte. Ici, nous avons le système sachet.
c'est de mettre les tomates dans les sachets. On peut aussi les mettre dans les caisses, les tomates. On a préféré les mettre ici dans les sachets, tout juste à cause des racines, parce qu'elles sont très lourdes. Sur le site de la Riviera Faya, ici, nous sommes constitués de femmes et de jeunes garçons. Nous sommes au nombre de 4. Ça fait 4 mois que nous avons commencé les activités. Là, on bénéficie d'un appui de la FAO, c'est un projet pilote. Pensons qu'avec cette nouvelle culture, on pourra révolutionner le secteur agricole, surtout la productivité des produits maraîchers, des produits vivriers en général en Côte d'Ivoire. Cette activité est très intéressante et je voulais inciter tous les jeunes qui sont en quête d'emploi ou bien qui sont désœuvrés présentement. C'est vrai que la situation sociopolitique qu'on a connue a été très difficile, mais il est important d'aller de l'avant. Et à travers ce projet, je pense que la FAO qui l'a initié avec l'appui du gouvernement a réussi la réinsertion de bon nombre de jeunes. Bon, ici, nous avons commencé la récolte. Vous voyez bien nos feuilles, nos laitues bien propres, les légumes bien sains. Parce que ici, nous prenons de l'eau potable. Avec tout ce que nous avons connu ici à Abidjan, les déchets toxiques, on n'a plus besoin de laver nos feuilles avec de l'eau de Javel avant de consommer. Parce que nous faisons ici des légumes frais et sains, prêts à être mangés. Parce qu'on se soucie du bien-être des Ivoiriens. J'encourage encore nos femmes à s'intéresser à ce projet. Une femme qui n'a pas d'activité n'est rien. Le bureau n'est pas la seule voie de réussite. On peut avoir l'argent partout. Nous voyons nos sœurs du marché. Elles ont plus d'argent que nous qui sommes dans les bureaux. Elles ont plus d'argent. Mais nous, dans les bureaux, l'argent est programmé. On vit du jour au jour. Vraiment, j'encourage les épouses des militaires à s'intéresser à ce projet. Moi, je trouve que le site est réduit, le site est petit. Donc vraiment, il faut que nos mamans nous aident. Surtout le ministère de la Femme, de la Famille. J'attire aussi notre maman, Madame Ouattara Dominique. Il faut qu'elle pense aux épouses des militaires. Aujourd'hui, je pense qu'après cet appel, on aura vraiment la clientèle. Où nous sommes aujourd'hui, c'est la tête du ministère de la Défense. Mais ils ont pensé aux épouses des militaires. Donc vraiment, je remercie tout le monde, vraiment je remercie nos maris. Je lance un appel solennel à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Soro Kibafori, qui est le ministre de la Défense. Nous sommes non seulement tes femmes, nous sommes tes mamans, nous sommes tes enfants. Donc vraiment, il faut penser à nous. Nous avons beaucoup de projets. Ça, c'est un grand projet pour les épouses des militaires. Donc vraiment, nous souhaiterons que vous venez à notre aide. Nous disons grand merci à Ava. C'est grâce à Ava, moi, aujourd'hui, je suis en face d'une caméra. Après les efforts considérables de cet organisme international, il est vivement demandé au ministère de soutenir ces initiatives afin de maximiser leur production pour davantage nourrir sainement les Ivoiriens. Découvrons ensemble le portrait de la semaine. La culture hors sol pratiquée au ministère de la Défense par les épouses de militaires est aussi entretenue par un jeune qui prend bien soin des plantes. Il les arrose 2 fois dans la journée et remplace les pépinières mortes par de nouvelles. Ce brave paysan nous fait vivre son quotidien. Notons qu'il est aussi souvent sollicité par des organismes internationaux et des clients privés. Je m'appelle Somé Poussa. Je suis l'entretien des jardins d'esprit de militaires, ministère de la Défense. Donc chaque matin, je me réveille et entretiens toutes mes plantes, je les contrôle, puis je les arrose, puis voir ce qui ne va pas, ce qui va. Puis ce qui ne va pas, je suis obligé de les changer. Si c'est la nouvelle plante que je viens de planter, je suis obligé de les changer. J'arrose mes plantes là chaque matin soir. Je prends le courage, je fais tout, jusqu'à si je suis fatigué, je me repose, puis je me lève encore, je travaille. Ici le midi,
Là, je me repose le soir à partir de 14h. Je commence encore à les arroser. Ça fait un moment ici, là, bon, je peux voir que j'aime ça. Moi-même, je prends le chien comme c'est ça pour moi-même. Avant, j'étais un réparateur de vélo, un moto. Comme je manquais, on s'est croisé. Elle m'a dit à mon petit, il y a un travail. Bon, je dis que je la demande, quel genre de travail. Elle a dit du jardin. Bon, jardin aussi, bon, j'ai fait ça au Burkina aussi, j'ai fait ça au Burkina, mais fait ça un peu quand même, c'est que si on va essayer pour voir, si nous deux on a la chance, ça on a essayé, effectivement ça va, je ne vais pas mentir, je dis que ça va pas, ça va, partout les gars me prennent, les gens les paroles me prennent, je travaille pour eux, souvent s'ils ont bien, ils viennent me chercher, ils m'avaient sur le coup, bon, même demain je dois aller, à Pobou, pour aller travailler. Moi, je l'ai découvert à travers Madame Meïté. Il travaille avec Madame Meïté. C'est un jeune qui est très dévoué. Comme Madame Meïté aussi, elle est très dévouée. Ils aiment ce qu'ils font. C'est ce qui est intéressant. Parce que du point de vue développement social, il faut aimer le travail. Il faut aimer ce qu'on produit. Et nous avons des exemples. Des exemples de travailleurs qu'il faut encourager. Alors moi, je pense que les jeunes gens, les jeunes filles qui ne savent pas trop bien ce qu'il faut faire et qui sont dans la rue, on parle chaque jour de la réinsertion des jeunes, une lutte contre la misère, ça c'est théorique, mais voilà des exemples pratiques. Moi, je vois du vol, les faux trucs là, c'est pas bon, il faut travailler. Même si on te donne 5 francs, il faut prendre. Elle dit, c'est ton sieur. Voilà. Mais tu vas aller tourner à gauche, à droite, et puis prendre tout de quelqu'un, ils vont te poursuivre. Tu n'as pas la chance, ils vont te mettre en prison, tes parents ont souffert. Plusieurs secteurs d'activité s'offrent à la jeunesse pour une meilleure réinsertion dans la culture hors sol qui est de plus en plus pratiquée en Côte d'Ivoire. La rubrique Bon à savoir, c'est avec la représentante de la FAO en Côte d'Ivoire. Au début de cette nouvelle année, je me permets, au nom du nouveau directeur général de la FAO, José Graciano Silva, de présenter les vœux les meilleurs de paix et de succès dans toutes les entreprises, au chef de l'État, à son gouvernement et à tous ceux qui vivent sur cette terre bénie de la Côte d'Ivoire. Cette occasion de l'année 2012 que tout le monde considère comme une année d'espérance devrait se voir concrétiser pour le monde rural la réalisation et le couronnement de toutes leurs espérances. Tout le monde s'accorde à dire que la Côte d'Ivoire est un pays d'abord agricole. Le miracle ivoirien est né de l'agriculture. Et aujourd'hui que la paix s'installe en Côte d'Ivoire, il est important que nous puissions replacer ce monde agricole dans les priorités. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire dans le cadre de son programme national d'investissement agricole, qui est finalisé et qui va bientôt mobiliser toutes les personnes de bonne volonté, que ce soit les partenaires techniques et financiers, mais les amis de la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions soutenir efficacement et d'une manière très dynamique ce programme. Cela est d'autant plus important que la vision de notre nouveau directeur général est de chercher à lutter contre la faim à travers le monde entier. Et comme il l'a si bien mentionné, la lutte contre la faim n'est pas que les seules actions des décideurs, mais la lutte contre la faim interpelle tout le monde. Depuis les décideurs, la société civile, le secteur privé, le groupe des partenaires, le groupe des amis des pays, mais aussi l'apport des producteurs. Parce que parfois, nous cherchons très loin certaines solutions pour la promotion de nos agriculteurs,
Alors qu'ils ont parfois des ressources, mais ce qui leur manque, c'est peut-être la communication, c'est peut-être la stratégie et comment faire pour mieux se faire connaître. Et c'est en cela que je salue vraiment votre émission, Brave Paysan, parce que des échanges que nous avons eus, beaucoup de paysans attendent quelqu'un qui peut être leur porte-voix. Et cette personne qui pourrait être le porte-voix des paysans, c'est d'abord les structures de communication. Quand on arrive à s'exprimer, quand on arrive à présenter un problème, on peut considérer qu'on a déjà la moitié de la solution à sa portée. Les paysans et les producteurs ivoiriens sont très bien formés. Ils connaissent les techniques de production. Il suffit seulement de mieux les encadrer et de mettre les moyens à leur disposition. Ils seront prêts à refaire le miracle ivoirien. La rubrique Agri-Info vous donne quelques informations sur l'actualité agricole en Côte d'Ivoire. Le conseil du café cacao s'est désigné un patron. Les 12 membres de son conseil d'administration ont plébiscité le mardi 24 janvier 2012 à leur tête l'ancien ministre de l'Agriculture, Lambert Kwasi Kono, représentant du chef de l'État au sein du nouvel organe de gestion de la filière café cacao. L'élection a eu lieu au cours de la cérémonie solennelle d'installation des membres du dit conseil au 23e étage de l'immeuble de la Caisse stable au plateau. Le nouveau PCA a exprimé sa gratitude au président de la République et au premier ministre, ainsi qu'aux membres du gouvernement. Il a promis œuvrer avec son équipe pour la pleine réussite de la mission qui leur est confiée. À tous, nous exprimons nos très sincères remerciements et prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour parvenir à brève échéance à l'atteinte des objectifs visés par M. le Président de la République et le gouvernement, conscients que nous sommes de l'importance des enjeux. Il s'agit en effet de ne compromettre en aucune façon la réussite du point d'achèvement du PPTE, vital pour l'essor économique de la nation. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous nous mettrons au travail sans tarder. Au sorti de la grave crise politique 2010-2011, la réforme cacaoyère était très importante pour le gouvernement du président de la République en vue de la sécurisation du revenu des producteurs. L'ancienne structure, en l'occurrence le comité de gestion de la filière café-cacao CGFCC, dispose d'une période de 3 mois pour faire place au conseil du café cacao dont l'existence juridique a pris effet à compter du 16 janvier. La première responsable du CGFCC, Madame Massangué Touré, a d'ailleurs été nommée directrice générale du nouveau conseil. À cet effet, elle a tenu à remercier les autorités politiques avec à leur tête le président de la République et le premier ministre pour cette marque de confiance à sa personne. La Côte d'Ivoire a décidé en novembre 2011 de restaurer un organe public de régulation de la filière cacao afin de garantir un prix d'achat pour nos braves paysans de Côte d'Ivoire. Lors d'un point de presse organisé à l'issue de l'installation solennelle des membres du conseil d'administration du conseil de café cacao, suivi de l'élection du président de l'organe, M. Mamadou Klubali Sangafoua, le premier responsable de l'agriculture, après avoir salué la qualité du choix porté sur ses 12 membres, a énuméré les grands axes de leur action. Cette nouvelle réforme vise les objectifs suivants. Premièrement, le renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des ressources. Ensuite, le développement d'une économie cacaoyère et caféière durable à travers la réorganisation de la production et l'amélioration de la productivité. En troisième lieu, la sécurisation du revenu des producteurs par la mise en place d'un prix minimum garanti
ainsi que l'amélioration de la commercialisation intérieure et extérieure. Enfin, la mise en place d'une interprofession forte et assise sur des organisations de producteurs crédibles. Le président de la République et le chef du gouvernement attachent un prix à la bonne gouvernance dans tous les secteurs. Le ministre de l'Agriculture a dit pouvoir compter sur l'ensemble des membres du Conseil. Ils sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission de votre magazine agricole à Brave Paysan. Pour vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos avis à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Merci et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. À très vite.